محليا وصل فريق مولودية طهران تحضيراته لموقع الديربي أرجها الغربية ضد الجار اتحاد بلعباس تحت قيادة المدرب الفرنسي كازوني. ويعمل رفقاء المهاجم متراني في صمت وفي أجواء حماسية كبيرة، حيث يسعون إلى الفوز بثاني ديربي على التوالي من خلال العودة بالنقاط الثلاث من ملعب 24 فبراير ببلعباس أمسية الأربعاء. هذا وأكد كازوني أنه قرر طرد اللاعب بن حمو بصفة نهائية من الفريق متهما إياه بالتشويش. التغطية لياسين رشي. On sait que des derbies, c'est important, ce que ça peut représenter la suprématie dans une région. Mais gagner des matchs, ça se prépare. Ce n'est pas de dire il faut gagner, ce n'est pas de dire j'ai payé les joueurs, on va gagner. Ce n'est pas de dire on s'est entraîné, on va gagner. Non, c'est des victoires, ça se prépare. C'est petit à petit qu'on avance. كل لقاء عنده أهمية تاعه وعنده خصوصية تاعه. رانا نشوف الفرق تقريبا متقاربة. احنا بالنسبة لنا يبقى لقاء مهم، هو لقاء تاع بلعباس. نحترموا هذا الفريق، يعني من الناحية ما نبقوش نقولوا هذه فريق راه عنده مشاكل، احنا لازم نحترموا هذا الفريق، وحنا نروحوا بنية الفوز وبالطريقة تاعنا اللي رانا معتادين عليها نلعبوا بها إن شاء الله. كما ألمح المدرب الفرنسي إلى إمكانية رحيله في حال لم يجد الأجواء المناسبة وتعرضه إلى ضغط شديد مستقبلا. C'est plus quand on voit les gens autour du club, ils disent ah, il faut gagner. Mais comme tous les matchs, moi j'ai pas mis de perdre les matchs. Quand je joue, c'est pour gagner les matchs, c'est pas pour les perdre. Mais bon, après il faut voir dans les conditions dans lesquelles nous sommes et ce que nous sommes en train de faire actuellement. C'est ça qui est important. On a envie de gagner tous les matchs, mais je pense que c'est plus important de stabiliser un club, de mettre les gens dans de bonnes conditions, autant administratifs que sportifs, et le club il va pouvoir avancer tranquillement. Et ça veut dire quoi? Il faut gagner. C'est les derbies, c'est important, mais on sait que tous les matchs, on a envie de les gagner. C'est petit à petit qu'on construit nos victoires aussi. C'est de travailler dans la sérénité, dans la stabilité. C'est pas en mettant de la pression à droite à gauche. J'entends des trucs, ah, moi le président il a la pression, le club il y a la pression aussi, il y a les élections, il y a les cils, et là, pff, moi ça me dérange pas, moi. Moi je fais mon travail. On m'a fait venir pour faire un travail. Si on n'est pas satisfait de mon travail, je m'en vais, on me fait partir, voilà. Déjà qu'on me mette dans les meilleures conditions pour travailler. Après, tu pourras exiger des choses. Comme dans les meilleures conditions, les joueurs pour travailler, après, tu peux exiger des choses. Pour l'instant, on ne peut pas dire qu'on a toujours été dans les meilleures conditions.